Voilà, les asanas, c'est ça. C'est la manière dont on va subir, on va apprendre à donner à son corps le meilleur. Donc la posture, c'est donner le meilleur, même si c'est dur, et on subit des courbatures, et ça fait mal au corps. Le but, c'est un combat avec soi-même. Donc là, on va apprendre à. Pranayama, la respiration. La respiration, c'est un lien directement avec nos émotions. Quand on est stressé, quand on a la famine, quand on a peur, la respiration se réduit. Donc le but, c'est servez-vous de la posture, pouvoir prendre du recul dans la posture et être toujours garder le même calme, même. Intérieur, là ça fait flipper. La dernière fois dans vous êtes pratyana, le retrait des sens. Donc un peu la méditation qu'on va faire aujourd'hui, travailler sur les sons, ça commence en sept pas. Comme on arrive à les distinguer pour pouvoir les mettre de côté, les mettre dans une boîte. Vous avez la concentration, donc apprendre à se concentrer sur rien, sur le vide. Jamais faire une pratique posturale parce que ça fait mal. Oh là là, ça fait trop mal. Donc ils vont passer leur vie à méditer sur un tableau. C'est sympatoche, mais il y a des postures, des fois pour arriver dans une vraie posture de méditation, c'est comme celle-ci, les siddhasana, et ça lui fait un bien. Parce que naturellement, ça rééquilibre l'énergie à l'intérieur. Plus facile de méditer. Ouais, parce que ça purifie. C'est vraiment le but. Tu vois, la méditation, elle est vraiment après la pratique physique. Alors, le truc, c'est que. Alors, souvent, c'est ce que je dis dans les. On devrait méditer avant le lever du soleil. On devrait se lever à 3 h du matin. Un peu comme si ça se passe comme ça dans les ashrams ou les monastères, quel qu'ils soient. À 3 h du matin, au soleil. C'est à 3 h du matin, on fait les ablutions, la petite terre, on boit son eau chaude, on fait sa pratique physique de yoga à 3 h, à 4 h du matin, 3 h et 4 h du matin, pour être prêt à méditer à 4 h 30 du matin, 4 h 30, 5 h, pour accueillir la levée du soleil, hein, avec la pratique avant.
Souvent, c'est vrai que quand on fait le matin comme ça, c'est vraiment agréable de méditer juste au moment où il y a la transition entre le soleil et la nuit et le jour. C'est vraiment le corps est apaisé. Mais c'est vrai qu'on a envie de. C'est vrai que c'est pour mieux méditer à la fin. Et voilà, puis après, vous arrivez, quand on arrive vraiment à suivre et à se séparer de nos envies, de notre éducation parfois, ou des choses qu'on ne veut pas forcément faire, et bien on arrive à se libérer et devenir dans un état de pleine conscience, et voir l'âme de chacun, voilà, être dans un espace commun, universel.